Et c'est tout d'abord Philippe Sev que l'on retrouve à la table face à Kim Tak-soo, le numéro 1 coréen, 5e mondial. Et les bons débuts de Philippe, vous le voyez, des cris à répétition, des échanges qui se ressemblent. Mais au décompte final, c'est déjà 7-0 pour lui en ce début de partie. Excellent. Et puis 19-13, vous le voyez, le score évolue très vite. On est superbement parti. Philippe bien en jambes, qui va obtenir assez rapidement une balle de 7. Vous le voyez, c'est 20-13. Dans cette salle remplie, la Chine joue en même temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit contre le Japon. Et voilà, 21-13, premier set Belgique. Superbe, Philippe Sev. Effectivement, face au 5e joueur de la planète, alors que lui n'est que 35e. C'est une performance. Et voilà, Mr. Wang qui lui donne de bonnes idées pour la suite. Deuxième manche. Et le jeu porte-plume des Coréens qui pose des petits problèmes, mais il n'empêche, c'est quand même 8-11. Kim Tak-soo est passé au-dessus de Philippe, qui résiste, vous le voyez. Mais c'est 18-13 et même 20-14 maintenant pour le Coréen, qui va égaliser à une manche à 1. Voilà, c'est fait. Le revers de Philippe dans le filet. Les Coréens peuvent faire la fête provisoirement. 1-7 partout. Première rencontre donc, Philippe Sev Kim Tak-soo est 3e set, 5-4 au tableau marquoir, stressant, et 6-4, premier petit avantage. Mais vous le voyez déjà, c'est 7-7 et 8-7 maintenant. Philippe qui semble tenir le bon bout, on a changé de côté maintenant, le premier à 10, 13-11. Et c'est très bas, top spin sur top spin, et la joie pour Philippe, 14-11 pour lui, dans la belle. Et 24-14 même, déjà, balle de 7. 24-20-15 et 20-16. Attention, il ne faut pas se faire remonter, tout près de la victoire. Encore 4 balles de match et la voici, 21-16. La Belgique mène 1-0 face à la Corée du Sud.